Bien, les exotiques qui sont sur votre côté droit en rouge sur l'écran et à gauche les Eclipse. On est parti sur le mid du côté de Godzilla avec son mate qui est Godzi en train de tenir l'appartement sur ce B. Est-ce qu'on va récupérer le premier kill au niveau de la fenêtre? Boyska qui tient la pose pour l'instant, qui récupère l'opening sur Godzilla. On part avec un avantage du côté de la défense, du côté des exotiques. Est-ce qu'on va pouvoir finir le boulot sur ce BP? On est en train de se faire rejoindre par Jaguar également au niveau du mid. Godzi qui essaye de temporiser sur ce BP, mais ça ne passera pas. Le deuxième kill qui rentre du côté des exotiques pour cette première manche. Ça a été bien tenu par Boyka. C'est... voilà... une défense de BP un petit peu classique hein, sur B. En solo, on s'est dispatché hein, comme du 2v2 classique. Chacun sur un des deux bombes sites. C'est toujours particulier la 2v2. Hein, ça permet en R&D de rendre les situations très tendues assez rapidement. En prenant notamment l'opening, l'entry frag hein, sur un des deux BP. Cette attaque du côté des exotiques, on a Jaguar et Boyka qui sont en train justement de se placer sur le BPA, tandis que la défense est en train de décaler du côté du mid avec Godzi qui passe via l'échafaudage, le silence de mort qui est rentré pour aller se placer sur ce BP et récupérer les joueurs qui ont déjà pu planter la bombe hein, sur ce A. Godzi qui va arriver d'ici quelques instants via les escaliers, on va en tenter un petit peu d'aller se resserrer sur le point du côté de cette défense. Godzilla pour l'opening sur Boyka et Godzi ce deuxième kill récupéré sur Jaguar. Une très belle décale de ces joueurs en défense pour terminer eh bien cette deuxième manche rentrée du côté Eclipse. 1-1. Alors pour l'instant, pas d'écart qui est pris, on est sur les... voilà, un changement de side classique, on passe de l'attaque à la défense, et inversement pour l'équipe adverse, donc ça reste du classique hein, pour l'instant, on est ok sur de la défense, il va falloir aussi songer à comment dire, récupérer une certaine polyvalence pour pouvoir rentrer et récupérer l'avantage au niveau du score, un petit peu sur l'attaque et sur la défense hein, justement. Du côté un petit peu de ces deux équipes. Godzilla au niveau du mid hein, qui arrive directement via l'échelle. Boyka qui devrait avoir l'info pour le placement de Godzilla sur ce top mid. Pour l'instant on temporise pas mal au niveau de ces toits. Et pour la défense, on a un joueur au niveau du mid, un autre Jaguar placé sur le A. Tenez les échafaudages avant d'aller un petit peu de checker déjà un petit peu au niveau du spawn. On va repasser sur ces joueurs en attaque. Godzilla, attention à Godzi qui est récupéré par Boyka. Godzi qui va devoir faire le boulot, le 1v2 qui est initialisé hein, sur cette manche. Récupéré par son mate au niveau du mid. Exotique qui prennent l'avantage 2-1 pour l'instant pour cette équipe en rouge sur votre écran. C'est un petit peu dommage qu'on temporise peut-être un petit peu beaucoup hein, du côté... Je pense que c'est aussi la stratégie qui est employée par les exotiques en attaque. On a beaucoup temporisé, on a perdu un joueur assez rapidement et malheureusement ça leur a pas permis de se placer sur un des deux BP et d'aller planter en fait hein, tout simplement cette bombe. Donc un petit peu compliqué pour ces joueurs pour l'instant. Même si l'écart est pas conséquent, les phases d'attaque ne rentre pas malheureusement.
Attention, est-ce qu'on va reprendre du coup cette attaque Jaguar qui récupère ce premier kill sur Godzi? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer ce premier round en attaque? C'est pas impossible. En tout cas, on est bien parti du côté des exotiques. On a pris l'avantage très rapidement. Va falloir aller trade tout ça hein, du côté de Godzizia, récupérer le 1v2. On est en place sur A. Je pense qu'on a l'info hein, via ce joueur du côté des Eclipse. Il va falloir décaler et rotate hein, sur ce BPA pour récupérer cette bombe. On est en train de planter du côté de Jaguar. On est en place sur le BP. On va un petit peu se dispatcher pour la défense. Au niveau des hauteurs de ce A, Boyka qui va recheck au niveau de l'entrée défenseur. Entrée quelques balles sur Godzia qui va passer via le toit. C'est nouveau redispatché, Jaguar qui est nouveau au niveau des escaliers, récupéré par Godzilla. Ça peut être récupéré en tout cas, le 1v1 qui est initialisé pour ce joueur face à Boyka. Ok, parfait, Godzilla qui a très bien trade ça sur le BP, et c'est diffuse. Égalité de partout, alors effectivement, la défense est bien gérée du côté des Eclipse. On a eu une phase d'attaque qui était quand même assez agressive. Du côté des exotiques, ça a failli rentrer, mais ça a été parfaitement négocié justement par Godzizia sur ce BP qui a rien relâché hein, sur la fin de cette manche. Donc très très bien joué du côté de ce joueur Eclipse. On va repasser en attaque du côté de cette équipe en bleu. Alors c'est ce que je vous disais, hein, c'est justement voilà le but, ça va être d'avoir une polyvalence autant en attaque qu'en défense pour pouvoir prendre l'avantage au niveau du score. Sinon c'est assez habituel sur de la R&D, c'est que les rounds en défense vont un petit peu s'échanger. Chacun gagne son petit round en défense et au final on reste un petit peu serré au niveau du score. Et on n'arrive peut-être pas forcément à prendre réellement le dessus sur l'adversaire, donc ça va être à celui qui l'équipe qui va avoir vraiment l'avantage sur l'attaque, qui pourra prendre le dessus sur l'équipe adverse. Boyka qui va arriver d'ici quelques instants sur cette ruelle couverte tenue par Godzizia. Non, récupéré par Godzi, le crossfire de cette équipe des Eclipse pour récupérer cet opening. Jaguar en 1v2. Ça peut encore une fois se jouer. Faut pas non plus donner l'information à ses adversaires hein, parce que là, on a entendu la dor, mais j'ai l'impression qu'on l'a pas forcément check hein, du côté de ces joueurs des Eclipse. On est assez serein sur le BP. On a planté, on a la Semtac qui est lancée au niveau de l'appartement, mais pas sur la bonne dor. On est au niveau de l'étage du côté de Jaguar qui va directement partir sur le BP. La petite décale qui est en train de se faire par les escaliers, récupérée par ce joueur côté Eclipse. 3-2. On a pris l'avantage sur cette phase d'attaque. Ça a été rentré. Encore une fois, très bien joué de côté de cette équipe Eclipse face au Exotic Gaming. Pour l'instant, assez serré. Effectivement, on prend pas forcément l'avantage. On va voir du côté de l'attaque pour ces Exotic Gaming. Si on va pouvoir rentrer ce troisième point au niveau du score. En tout cas, on part sur du B, les joueurs de la défense qui sont avancés au niveau du mid, notamment avec Godzi, alors que Godzizia est sur le BP pour récupérer déjà cette opening sur Boyka. Lequel qui a récupéré le revenge du côté de Jaguar, le 1v1 lancé face à Godzi. Du côté de l'attaque, on va directement rotate hein, sur le A. On va avoir l'info du côté de Jaguar. Voilà la décale qui allait lui donner l'avantage au niveau de la visu pour récupérer le joueur Eclipse. 3-3 pour l'instant. Effectivement, assez serré pour le moment. On commence à rentrer justement des rounds d'attaque. Le problème, c'est que chacun prend son round. Donc ça reste de nouveau assez équilibré au niveau du score et assez serré pour le moment. Il n'y a pas d'avantage clair et net qui est pris. Et c'est plutôt cool, hein, sachant les games qui ont été rentrés justement avant sur le tournoi. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de stomp réel, en tout cas pour le moment, au niveau du score. Ça reste très équilibré, donc ça annonce un match relativement serré pour le moment. Ouais, Kaka arrive directement au niveau de ce mid qui est récupéré par Godzi, le premier kill avec cette MP5.
sur un Jaguar qui essaie un petit peu, je crois, de pré-fire sur ce mid, mais on va être récupéré par le joueur Eclipse pour cette quatrième manche au compteur des joueurs Eclipse. On a peut-être donné l'info, alors c'est Godzi qui, je pense, pré-fire au niveau du mid pour récupérer le joueur exotique. Et là, mauvais timing, on a été récupéré du côté exotique. Quatre à trois pour l'instant en faveur des Eclipse. Pour cette attaque, on va suivre rapidement les joueurs exotiques. Boyka qui s'est bien avancé, qui commence directement à ouvrir les hostilités hein, sur ce mid. Boyka qui a quand même pris très cher hein, justement avec cette, cette Semtex. Jaguar au niveau du mid qui avance petit à petit. On a le silence de mort dans quelques instants qui va être une lock. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser sachant qu'on a les joueurs Eclipse hein, qui sont aux alentours. On a l'Ador qui a donné l'info pour peut-être pour Godzi, mais qui n'ira pas la check. Qui n'ira pas checker l'emplacement de Jaguar. Jaguar pour ce, cet opening sur Godzi. Ok, qui est récupéré. Godzizia qui va devoir finir le boulot, le 1v2 qui est lancé pour le joueur Eclipse. Est-ce que ça va être récupéré par la team des exotiques? On s'est peut-être un petit peu avancé hein, sur ce mid malheureusement du côté des Eclipse. Godzi qui, est, qui était vraiment libre comme l'air sur ce mid. Donc peut-être que rester sur le BP ça aurait été plus sage hein, du côté de ce joueur. Godzizia pour la décale, on part directement sur le BP, éventuellement récupérer les deux joueurs, le 1v2, on le sait, hein, Godzizia, c'est les rentrées, donc ça peut vraiment se jouer pour ce joueur Eclipse. Jaguar qui va tenir au niveau des escaliers, la position sur le BP, et Boyka via la double d'or. Est-ce qu'on va récupérer le kill? Godzizia qui récupère déjà ce premier kill, mais dans le bac, il tombera du coup des balles du dernier joueur côté exotique sur cette manche. 4 partout pour ce premier round. C'est dommage de ne pas l'avoir joué safe et d'avoir laissé un petit peu tomber l'information, la prise d'info sur ce BP du côté du joueur Eclipse. On aurait pu prendre l'ascendant au niveau du score et déjà marquer un certain écart entre les deux équipes, mais malheureusement ça n'est pas passé pour le joueur Godzizia. Cette attaque côté de l'équipe en bleu, on va passer via le mid pour l'instant. Pas, on n'a pas de comment dire de choix clair et net qui est pris par rapport au BP, même si Jaguar est en train de tenir les échafaudages. Alors on a plus le viseur sur le mid. Est-ce que ça va permettre à Godzizia de récupérer la décale du joueur? Effectivement, le joueur Jaguar récupérer l'opening à la MP5 toujours. Full MP5 hein, pour cette game. En même temps, en 2v2, c'est vrai que le combat rapproché est quand même assez, assez récurrent. Donc, on part plus sur des SMG. La bombe qui part, du coup, en A. Boyka qui va passer avec son silence de mort. Fini à l'instant. On récupère Godzizia. Et on se place directement sur le VP. Tenter la ninja. Ça peut se faire. Ça peut clairement se faire. La ninja peut rentrer. Et ça va passer. Ça va passer. Godzi qui n'aura plus le temps. Godzi qui n'aura plus le temps de récupérer le deuxième kill. Cinquième manche remportée pour ces Exotic Gaming Esport en rouge sur votre écran. Très bien négocié par ce joueur. Côté exotique, on prend de nouveau l'avantage. On est potentiellement déjà en point de match hein, du côté de cette équipe des Exotic Gaming Esports en espérant pouvoir eh bien, terminer cette manche tout simplement hein, vainqueur. Sinon, ça sera le 5-5 avec forcément un petit coup de pression pour les deux équipes. On va lancer directement du stop sur le BP. Oh, Godzizia pour l'opening. Potentiellement le deuxième kill. C'est vrai que la Boyka a pris quand même très cher hein, sur cette décale. Et Godzi au niveau de la ruelle couverte pour finir le boulot. Action qu'on reverra rapidement au ralenti. On est venu un petit peu, voilà, en étau hein, face à Boyka.
pour récupérer ce deuxième kill et rentrer la manche 5 partout. Alors effectivement, pour l'instant, c'est très 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 serré. Balle de match partout pour cette dernière manche avec les Exotic Gaming en attaque. Ce qui pourrait peut-être donner l'avantage aux Eclipse, hein, qui ont l'air d'être en tout cas à l'aise sur la défense. En tout cas, on est directement parti sur le A, même si la rotate était en train de se faire du côté de Jaguar, peut-être. Non, c'est en place sur A. Jaguar qui est arrivé dans le bac pour récupérer potentiellement Gaudi, mais ça ne passera pas. C'est Gaudi qui aura la réponse en tout cas à ce duel. La bombe qui est en place, est-ce qu'on... Le cut, oui, parfait. L'élimination récupérée directement sur Godzizia. Mais malheureusement, à vouloir être un petit peu trop greedy, ça lui aura coûté la vie, hein, ce joueur du côté des Exotic Gaming Esports. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage de perdre une manche comme ça, hein. Là, clairement, jouer plus safe, rentrer le kill sans forcément vouloir jouer le beau jeu, vraiment au corps à corps, ça aurait pu être plus intéressant, parce que là, il y avait vraiment aucune possibilité de récupérer Godzi qui en plus d'avoir une ouverture énorme pour pouvoir rentrer ce kill, avait juste encore tout le temps pour aller diffuse. Donc, terrible, 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 terrible. Aïe, aïe.